beaucoup d'honneur par rapport à cette, comme vous l'avez indiqué, première édition du forum de Bignona consacré à la vie et à l'œuvre grandiose du saint homme, le guide marabout, chef religieux de Bignona, l'imam El Hadj Fa Ousmane Odian. Cette manifestation qui est en prélude au gamou qu'il a initié aussi dans le département, connu sous le nom de Grand Gamou de Bignona ou Gamou de Fa Ousmane Bodian, ce forum a tenu ses promesses. Nous pensons, à mi-parcours, que les résultats sont atteints, les objectifs de même. Nous nous félicitons d'avoir été choisis pour parrainer cette première édition. Nous pensons que c'est un symbole. Nous avons été choisis parmi tant d'illustres personnalités du département, de la région, pour parrainer cette première édition. C'est une confiance, c'est une marque de considération, c'est de l'estime que nous ne pourrons mesurer et estime que nous devons à notre guide religieux qui a béni le choix porté sur nous pour que nous puissions accompagner les initiatives qu'il est en train de développer au niveau du département. Nous, en ce qui nous concerne, moi en particulier, le maire de Sindian, Yankoba Sadian Bourabé, comme j'ai eu à le dire durant la phase protocolaire, je ne vois pas comment nous allons ménager des efforts par rapport aux initiatives qui sont déployées et développées dans le département pour que vive l'islam, pour que vive l'école de Fa Ousmane Bodian. Donc je ne peux pas ne pas me féliciter de cet événement et prier pour que cet événement puisse perdurer. C'est une première édition. Nous souhaitons que cette première édition qui annonce le gamo à venir, que à partir de la réussite de cet événement, qu'on puisse avoir les bases d'une réussite du gamo avec les innovations annoncées par le préfet par rapport au gamo de cette année, l'édition de 2017, qu'il a voulu aussi grandiose et édition pour laquelle il a indiqué qu'il souhaitait que ça se tienne au niveau du stade municipal, le nouveau stade de Bignona. Il a indiqué qu'il a reçu la bénédiction du marabout. Nous, à notre niveau, nous nous félicitons de cela, mais surtout, nous félicitons de la réussite de ce forum de Bignona consacré à l'œuvre du vénéré guide religieux. Monsieur le maire, au-delà de l'imam Alphonse Bodian lui-même, est-ce que cette initiative ne s'inscrit pas aujourd'hui dans la dynamique pour vous, élus locaux, de réhabiliter les hommes religieux aujourd'hui du département pour les mettre à contribution au niveau du développement, mais également pour la paix? Oui, vous l'avez si bien dit. Nous pensons aujourd'hui que l'œuvre des guides religieux, l'œuvre de nos khalifs, l'œuvre de nos imams n'est pas bien connue du grand public. Les gens n'en retiennent que quelques bribes d'informations capitalisées ou glanées à gauche, à droite, qui quelquefois peuvent ne pas être des informations de première main. Aujourd'hui, avec les conférenciers de renom qui ont été choisis, pas pour leur maîtrise du sujet, mais pour leur capacité de recherche, qui a fait que lorsqu'on leur a confié le sujet, ils se sont investis personnellement pour aller vers l'information, pour aller mener la recherche scientifique nécessaire, pour mettre à la disposition du public l'information que le public n'aura pas à travers un gamou. Nous constatons très souvent que lors des gamous,
soit durant les cérémonies officielles, les cérémonies protocolaires, il n'y a pas suffisamment de temps pour visiter l'œuvre des guides religieux. Durant le Gamou en tant que tel, durant la soirée, avec les chants religieux, mais aussi avec les thèmes qui sont développés, souvent, le public n'a pas l'occasion de visiter ou d'avoir la plénitude de l'œuvre grandiose de nos chefs religieux. Ce forum nous a donné l'occasion d'avoir une information de première main, une information de qualité, une information fiable sur ce qu'est notre guide religieux. Son CV nous a été développé par le professeur l'imam Hassan Sané. Son œuvre a été revisitée par l'inspecteur Al-Husseinou Gassama. Sa philosophie, le soufisme, l'historique de sa philosophie nous a été aussi développé par le professeur Noah Cissé avec l'excellente modération du guide religieux Oustaz Dramé. Nous pensons aujourd'hui que nous avons ce que nous avons vécu aujourd'hui dans cette salle de CRS, ancien Santa Barbara. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une information qui mérite d'être archivée dans les bibliothèques de la connaissance de notre département, mais aussi qui mérite d'être porté à la connaissance des jeunes générations.